Re-YouTube, on est reparti sur Metroid Prime 3, où il faut faire des trucs. Délacé à la moitié, ok. Donc Otonoshi, lui, n'a pas fini le premier. Hein. Mais on dit rien. Hein. Salut Quickben, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Attendez. C'était dans le menu. Les objectifs, non? Attendez, il y a les options. Le mode vibration, verrouillage visé, inversé, sensibilité. Luminosité, c'était du casque. Chaste haute, indice. Ah! Le volume des voix. Il est au max? On va baisser un peu. Je trouve le mixage est pas ouf. Ça devrait être mieux. On devrait mieux entendre les gens. Attendez, puis il y a un truc. Putain, mais il y a les bandes noires encore. C'est chiant. Merde. En fait, j'ai juste de me rendre compte qu'il y avait les bords noirs tout autour du truc. Mais en fait, je l'ai sur l'écran aussi, quoi. Ça va, même si tu prends un coup de vue à Noël aujourd'hui. Oh là là, bah, bon anniversaire, Quick Ben. Bon anniversaire à toi. Attendez. Recentrer sur sa muse, d'accord. La planète actuelle. A priori, d'accord. Ah donc faut que j'aille au dock cargo. Ouais d'accord, faut que j'aille cargo de nuit. Au dock B, ok. Donc faut que je regrimpe dans mon truc là. Bram. Sauvegarder, entrer dans le vaisseau. Est-ce que tu as eu des cadeaux? Est-ce que tu as eu des gâteaux? Est-ce que... Dis-nous tout. On veut tout savoir. Et donc je vais là. Je peux pas y aller direct? Ah merde. Tu vas voir tout ça éventuellement ce soir, ok. Quoi? Oh non mais... Pff, ça charge alors que c'est à côté! Ça prend des plombes. Et j'espère que c'est ce qu'il fallait faire. Et vous pensez que la petite musique... C'est quelque chose qui est spécifique au jeu? Ou est-ce que dans la vraie vie véritable de Samus, en fait, il y a vraiment cette musique-là qui fanfaronne dès qu'elle sort de son vaisseau? Ça se trouve. On pense que c'est dans le jeu. Mais en fait, c'est en vrai. Enfin, c'est en vrai. Dans le lore, il y a vraiment la musique qui retentit à chaque fois qu'elle sort de son vaisseau. Ce serait drôle, non? Allez, le chargement, là! Je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite pour le jeu. Il veut pas charger, c'est ça? Bordel. C'est comme quand t'allumes Windows, c'est son vaisseau qui fait la musique.
quand même eu le droit d'ouvrir mon whisky d'anive. Je dois attendre que la soirée commence pour le reste. Du whisky d'anive. Ah ouais? Ah d'accord, ok. Donc faut aller vite. Non, loupé. Non ! Merde. Ah ouais, évidemment. Ça c'est toujours aussi chiant. Spoiler. C'est toujours relou à faire. Quoi? En plus d'accord, je me fais ras quoi. Putain mais c'est jamais le... Super, c'est jamais le bon moment. C'est génial. Ok, réserve de missiles, c'est bien ça. Whisky d'anniversaire, étrange, mais why not? Joues-tu aux jeux vidéo et si oui, à quel type de jeu Quick Ben? Y a plus le saut sur le 3? Comment ça le saut sur le 3? Putain de bordel. Ah merde! Attendez, fallait que j'aille où là? Oh là là, y a un saut. Ah là là, bah ouais, tellement plus simple, hein, évidemment. C'est tout, en fait. Non mais, ouais, en fait, d'accord. Non mais, fallait juste que je vienne là pour choper le power-up, quoi. D'accord. Nya nya. Système conduit d'alimentation alimenté, le générateur fonctionne à 100%. Nice. Du coup là ça marche pas. Ah ! Quoi ? Un combat de méca. C'est mon pote ça? Ouais bah voilà, c'est le chasseur ouais. Le souci quand t'as un toc alimentaire et un toc de propreté, c'est de te laver les dents 12 fois par jour quand tu vas pas bien. T'as du dentifrice sans fluor, ouais bah. Ok. J'ai l'impression qu'il y a son cerveau qui est directement dispo. Enfin, c'est bizarre. Bah vas-y, tu vas me parler meilleur, ouais. Putain, mais tout le monde m'engueule, j'en ai marre. Hein. Franchement, j'en ai plein le cul, hein, tout le monde m'engueule. Gna gna. Les câbles d'alimentation pour les retirer. Ouais, donc c'est... J'ai vraiment tapé à côté à chaque fois. Hein. C'est Donald Faison. C'est pas une bombe, c'est Samus sombre. Ah, on peut scanner les corps en train de mourir. Oh là là. Point faible, la glace. Petite glace là. Qui a une glace?
Qui a un sorbet sur lui? J'ai besoin d'un sorbet. Tiens, t'as plus de protection toi. That's the way. I like it. Ok. Les acariens, vite! Les acariens m'attaquent! Ça l'a pris. Voilà. Y a rien, super. J'attends de voir Tonium, je vais à Other M. Alors c'est pas tout de suite hein. Parce qu'il va falloir que je fasse tous les Metroid 2D avant. Enfin... ceux qui sont avant dans l'histoire, va falloir que je les fasse. Non mais je sais que c'est scripté quand tu me dis ça, tu sais. Je sais que je peux glander pendant des heures dans cette zone et t'auras rien à me dire. Burke, Sorbet, la chambre d'hôtel, 2 étoiles, quoi? Que oui, je joue. Et pas mal, plein de genres, bien qu'il soit plus RPG. Action-aventure, roguelite, Metroid-like. Mais surtout de l'indé. Je ne connais pas cette emote. D'où vient cette emote? Ah oui, les acariens, ouais. Ça aurait pu être, ça aurait pu être des puces de lit. On peut le refaire ou pas là le... Ouais hein, ça... bon, là c'est dans le cas présent ça n'aurait pas marché. Quoi? Ah mais c'est Ridley. Putain, je l'avais pas reconnu ce con. Regardez ce petit connard de Ridley. Il est où? Viens te faire scanner s'il te plaît. Non? Ah. Gnagna. Démarrer le générateur pour l'ActiveAid. ActiveAid room. Structure à front direct, sont fragiles et pourraient probablement être détruites. Ouais, ok. J'ai pas grand chose là. Je suis où? Tu connais pas celle d'elle? Il me semblait. Non, ça me. Ça me dit rien. Celle d'elle, vous dites? Non. Non, non. Non, non. Je. Je ne vois pas. Je crois qu'il y a un mec, si, il y a un mec qui est venu un samedi un jour parce qu'il avait planté son site et il est venu me filer, il est venu me demander un coup de main. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Je suis pas persuadé mais il me semble que c'était ça. Celle d'elle, hein. Ouais. Peut-être, peut-être.
En fait, j'ai même pas besoin de balancer vers l'avant, hein. Juste balancer vers l'arrière, ça me marche. Quoi? Il s'énerve entre eux, c'est bon. Quoi? Pourquoi il est vénère, lui? Ah! Space Pirate Grey is definitely not my style. Machines aren't my thing either, so I'll let you get this generator back online. Thanks, Sammy. Ok, le ciseau, c'est exactement le même truc quoi. La production de courant, il y a les machins qui sont pas à leur place. Il y a le truc à activer qui est dans le fond. Il y a les ordinateurs à lire. Je crois que c'est celui où on a quand même le plus de trucs à lire hein, parce que ça, j'arrête pas de scanner depuis le début quoi. Là, paf combat. Non? Pas paf combat. Ah ouais. Alors là, je suis... Allez, je l'ai... voilà. Ouais, peut-être paf combat maintenant. Ah! Il est coincé. Ah, c'est vraiment pas de bol. Hein. Le truc qui s'est coincé. Samus, our efforts to slow the meteor have failed. You must hurry. Oui. Bah, donne-moi 5 minutes. C'est quand même fou ça. Que je sois nul au point de me jeter dans le vide. Ok. Alors. Pas que les JRPG, tous les RPG. Merde. Il m'emmerde, l'autre, elle me tirait dessus, là. J'aime beaucoup Johanna qui est en train de jouer. Bah, essayons de deviner ce qu'aime Quick Ben.
Ah, d'accord. Petit piou piou. Petit piou piou. Vous avez vu ces méta, comme le truc de... Comme le truc de Facebook. Du coup, j'ai pas entendu ta réponse, y'a vraiment plus le saut quand t'es en boule. Si, 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 y'a le saut en fait, mais je faisais ça avec... En fait, faut juste soulever la zizi mode quoi, faut mettre un petit coup vers l'eau. Power armure solide, projection core, sa bouche lance des attaques au plasma. Normal. Et merde, je me suis pris une baffe. Ok, on l'a eu. Je suis sûr que Otonoshi il adore les jeux de golf. Ah ouais? Étrange interrogatoire. Ouais, je suis sûr, ouais, je crois que t'as des MP.
Moi, je sais ce qu'elle a fait, Johanna, là. J'en suis persuadé. C'est un peu trop chaud, ouais, tu m'en dois une. Je me suis déjà occupé de générateur B, mais je te laisse charger du dernier. Meta Ridley vaincu. Ce qui fait quand même pas mal. Le piston. The piston is in place. Hop, I have to the appui on the truc. Mais que se passe-t-il? J'ai un torplasma. Oh non, faut que je me dépêche. Dernière chance de l'arrêter maintenant que le système de défense est rebranché. Vous devez rejoindre la tour de contrôle et utiliser le canon de défense. Donc j'aille où? C'est où ce machin là? Bon déjà je vais aller sauvegarder hein. Pourquoi je peux pas y aller? Mais donc faut que je retourne au hub central là et après que j'aille, j'aille là et que je monte. Non mais sauvegarder. Qui sauvegarde? Qui sauvegarde? Et là en plus. Hop, je remonte. J'aime bien les jeux de golf comme j'aime bien les autres jeux quand ils sont intéressants. Mais pas parce que ce sont des jeux de golf. Genre, quel jeu de golf tu aimes bien? Dis-nous tout. Bon, Johanna, dis-nous ce que t'as offert du coup. Dis-nous ce que t'as offert, nous on veut savoir. Ouais, salut. Allez hop. Oh non, merde! Mais non! En plus, je suis sûr que c'est scripted. Et qu'on va se la prendre, la météorite. Non, c'est pas là. Je suis quasiment sûr que c'est scripted. Ah oui, d'accord. Genre! Ok. Ok, c'est encore dehors. Allez! Quoi? Non, ça je peux rien y faire. J'ai pas eu le temps de scanner les trucs, merde. J'aurais dû scanner les trucs.
Voilà, bon, on recommence le jeu, hein. Bah ouais, mais si le jeu il charge pas! Les mecs sont quand même des chasseurs de primes, hein, donc. Allô? C'est un météor chelou quand même, non? Ah bah un mort. Deux morts. Ah, loupé. Ah non, ils sont pas morts. Non. Non, je me trompe. Je me trompe, c'est dans une autre licence. Et bah des bisous Quick Ben et amuse-toi bien. Et profite. Profite de ton année de plus et de tes cadeaux et de ta famille et de tes amis et de tout le monde. Plein de bisous. Merci d'être passé. Oh la vidéo. Alors la vidéo ça rame chez vous, hein. Ça rame pas ici, hein. Tu disais quoi sur l'aliasing, Auto, avec récemment? Tu disais quoi? T'aimais bien l'aliasing, toi, c'est ça? Je me rappelle plus. Ah, loupé! Ah non, j'ai cru qu'il avait tiré à côté. C'est ton petit kink graphique, l'aliasing. Bah là, j'espère que tu as été servi avec cette magnifique cinématique. Genre Samus a s'évanoui. Un mois plus tard. Ah ouais. Belle ellipse, hein. Tous ces escaliers là, ouais, non, ils étaient beaux. Hein. Un mois plus tard. Oui, c'est à peu près le temps que met la Wii U à charger. Enfin, met la Wii à charger. Can you hear me, Samus? Qu'est-ce qui s'est passé? Vital signs are stable. Welcome back, Samus. You've been asleep for quite some time. A month to be exact. We feared we'd lost you. Thanks to your great work, Norion is now safe. At the end of the battle, we found you and the other hunters all unconscious. Our medical examinations then yielded surprising results. Your bodies are now somehow self-generating phazon. What's even stranger is that there are no negative effects to your health. This led us to investigate if we could make effective use of this phazon. During the invasion on Norion, you must have noticed some powerful troopers in new suits. They were wearing what we call phazon enhancement devices, or PEDs. Le DADV. Elle a passé un mois dans son armure, ça doit sentir à la rose là. Ouais, non. Bah non, attends, on est peut-être en 0 suit. Ah non, non, on n'est pas en 0 suit. Troopers wearing this device have phazon pumped to their weapons from an external backpack. This gives them an extra boost in firepower. But in your case, think about it. With this phazon coursing through your body, you can fuel the PED using your own internal energy. Pretty effective, don't you think? Why don't you try the PED now? Seal the room. Initiate PED program. Recharging energy reserves. L'injection d'une réserve d'énergie dans le DAP permet d'activer l'hyper mode. Maintenez plus enfoncé pour activer l'hyper mode.
Hyper mode est désactivé lorsque la réserve de DAP est épuisée ou si vous maintenez plus enfoncé. Ok. Ah oui. D'accord. You must have noticed during this test that hyper mode possesses devastating power. Elle est auto-nettoyante avec coussinet actif anti-escar. Imagine, t'es l'auto-wash qui se déclenche en parlant mal de boss. Over the past month, we've learned the hard way just how powerful our enemies are. To deal with them, you'll need the firepower of the PED suit. Make good use. Now that you are familiar with the workings of the PED device, the Aurora Unit 242 would like to meet with you. There are many pressing matters to discuss. The AU chamber is located just off the command bridge. You'd better get going. Good luck. Oh, and one more thing. After 25 seconds, the safety feature automatically ends hyper mode. You'll have to keep paying attention. Da 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 da. Je peux tirer dessus elle ou pas? Eh, se planque. Ah ouais? Ah, c'est rigolo ça. Alors ça par contre c'est un truc rigolo ça dans le jeu. Entrée phase 1, transférer vers la banque de données. En fait c'est chiant que c'est dans la banque de données, avant on pouvait lire les trucs et maintenant en fait on peut rien lire pendant le jeu quoi. Utilisé pour les procédures médicales extrêmement compliquées. Genre elle a rien pris quoi. Femme soldat de la flotte, non mais je veux sa chaise moi. Les biocapsules utilisées par les médecins de la Fédération Galactique pour les procédures liées aux biocapsules. Ah, c'était quoi ça? Alors donc là il y a des trucs, mais ça je peux l'éclater que avec l'hypermode, c'est ça? Panneau invulnérable aux armes classiques mais peut être endommagé par du phason. Voilà. Alors ça c'est de la recharge de phason ça? Super capsule de phason. Restore 100 unités de phason. Ok, donc c'est rigolo qu'ils aient mis le fait qu'on puisse parler à tout le monde, mais que personne a quelque personne n'a rien à nous dire en fait. Ah mais j'ai pas remis ma caméra, vous me voyez pas? Vous deviez être triste. Dites-moi oui. Dites-moi oui s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir. Et donc on est là, ok. Quoi? J'ai pas appuyé sur le bouton. Non. Je suis tellement triste. Yes, I want to sauvegard. Thank you.
Ah, nous revoilà ici. Ah, c'était la porte que je pouvais pas ouvrir au début. Oh. Elle est plus là? Mais non, elle a été déplacée, pourquoi? Donc je vais où? Super. C'est où que c'est qu'il faut que je vais? Pas d'objectif. Comment ça, pas d'objectif? Comment ça, pas d'objectif? Ah, elle m'a dit d'aller voir Mother Brain là. D'accord, bon, bah, a priori c'est par là quoi. Oula. Oula. Un truc là-bas. Non, je veux. Non, scan. Non, scan le truc là-bas. Là-bas. Ah, mais attendez. Non, je peux pas le scanner. Merde. Oh, vous avez venu, vous imaginez le mec qui est là toute la journée devant la porte là. La plateforme de communication permet d'interagir avec l'Aurora. Utilisez le terminal pour parler à l'UA 242. Réservoir d'unités d'Aurora sont le cœur des cuirassés de la Fédération. Impossible de voir à travers la solution. L'idée, ça ressemble à la cuve. Ah ouais. Ça ressemble à la cuve où il y a Mother Brain. Le brio. Et ça fait plif, plaf, plouf. Comment va le plus beau? Bah je sais pas. T'as qu'à te demander. T'as qu'à te demander à toi-même.
Bon. Bonne chance, Samus. Samus, the fleet is now moving to the rendezvous location. You will no longer be able to dock with us from this point forward. Vous ne pourrez plus apponter sur notre vaisseau. Quoi? We will keep communication lines open. Ouais, comme par hasard. Le brio. Donc ça c'est quoi? Ça c'est brio. Ça c'est Lysia, mais non. Oh mais non, c'est la planète de merde dans Outer Wilds. Je la reconnais. Mais c'est Mass Effect avant l'heure, pas du tout. C'est comment s'appelle la planète dans Outer Wilds, celle qui est c'est une grosse plante là. Je me rends compte que je ne connais pas les jeux qui aiment Chrisou, moi. Le golem de guerre de classe Mojnar est déconnecté et piégé dans la pierre. L'unité n'est pas... Ah, c'est un mec. La sculpture a été arrêtée. Mais genre les golems, même les scans. Il y a des sexes et balises étaient utilisées pour guider les vaisseaux lors d'atterrissage par mauvais temps. Non, c'est des phares. Samus, the Leviathan Seed is protected by an energy shield. D'accord. You will not be able to reach it with that barrier active. We need more data to determine how the... You are near the wreckage of a downed... If you can use the satellite uplink on the ship, prepare to receive the ship's coordinates now. Alors, l'écran de carte. Eh bien, il aime tout. Les Zelda, les Half-Life, les Flight Simulator, tout. Les dating sims aussi, il aime bien. Pierre organique provenant de Brio, placé à l'origine pour accueillir les voyageurs. Un buisson, la souche indigène d'une forme de vie végétale qui produit de venin dans ce... Bah ouais, ça y est. Ça y est, y a Samus, elle va encore annihiler toute la faune et la flore. Regardez-moi. Ah bon, pour une fois, on peut pas tout déglinguer, dis donc. C'est rare. Hein. Les ruines érodées faisaient autrefois partie de plus grandes structures. Leur but original n'est pas connu. L'écorce des plantes cache adulte ne peut être endommagée que par des rayons, des explosions, des explosifs puissants. Voilà. J'ai tout détruit. C'est quoi la plante cache utilisée par les Brioniens? Stocker marchandises et équipements vitaux. Ça tombe bien ça.
s'en servent comme des gros sacs. Le vampire possède un bouclier d'énergie, n'importe quel tir d'arme devrait ouvrir cette porte. Et voilà, hop. On redéglingue la faune, la flore, tout, tout. Tout va y passer. Comme d'habitude. Qu'est-ce donc ? L'habitant de Brio est coincé dans la glace, l'analyse indique que le bioorganisme est encore vivant. Et ben, je sais pas comment le sortir de là. Est-ce que ça marcherait, d'après vous, avec l'hyper mode ? A priori non. Il semble que le bioorganisme était en plein combat lorsqu'il a été gelé. Ah mais c'est notre pote ça, les trucs gelés, c'est notre pote. Pourquoi il gèle tout le monde, notre pote? Ce pont de glace semble avoir été créé pour entrer dans le temple. La glace n'a pas encore commencé à fondre. Ah merde. Un granule. L'absence d'exosquelette le rend agile mais faible face à la plupart des armes. J'ai vu un mec là tout à l'heure. Il est parti où lui? Il y avait un cum à droite. Pour identifier ni sauteur extérieur incroyablement solide. Signe de vie détecté à l'intérieur. Un ni sauteur, ok. La FG, fichier BY550, statut sont des mouvements. Sont des monuments dédiés à la folie de la guerre. C'était pas ma guerre. Le bioorganisme a subi une fracture de la colonne vertébrale en étant jeté contre le mur. Aïe. Ça doit faire mal. Hein. Mais c'est mon pote qui défonce tout le monde en fait. Les grandes caissons de Brio contiennent recharge d'énergie d'armes vulnérables aux tirs puissants. Et ici nous avons un petit caisson de Brio peuvent être détruits en tirant dessus. Le blindage externe semble fragile. Alors qu'avons-nous ici? Ceux-ci ne sont pas fixés au sol et pourraient être tirés avec suffisamment de force. Voilà, je peux remonter maintenant. Trop bien. Ah zut. Une petite ciné. C'est marqué Brio à côté de moi là. Là je vous cache un peu avec ma tête, mais c'est marqué Brio. Le Brio. Tan 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 tan. Changer les guitares. Faites chauffer les guitares. Comment ça, si tu as du champ d'analyse là? Impossible d'agir sur la cible avec l'équipement actuel de l'armure. Le collecteur d'énergie solaire permet d'accéder aux verrous de sécurité. Pour cela, entrer dans les tuyaux. La structure bloque la plateforme, l'unité semble connectée au point de verrouillage de sécurité proche. Point de verrouillage de sécurité opérationnelle, un lien indique qu'un petit objet rond pourrait s'y loger. Genre par exemple une boule morphingue? Non. Alors ça m'étonnerait grandement quand même. Y'a un truc là-bas. Par où je vais en premier là?
Bah, ça ressemblait à un truc où on pouvait rentrer en boule morphing, ça. Le vieux bait, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons au-dessus de notre tête? Ça, j'ai déjà vu. Ça, pareil, il va me dire, voilà. Hop, plateforme accrochée au mur par une charnière. Forte traction pourrait le briser et libérer la plateforme. On frappait avec une arme lourde. Avancez prudemment. Ok, donc ils sont gentiment en train de me dire que je vais me casser la gueule. Mais... Ok. De verrouillage enclenché, impossible de contrôler la sécurité, ouvrez les portes manuellement. Bah tout tombe. Il y a tout qui tombe. Ah, il y a un truc là-haut. Une minute cancel à la glace, bloque l'entrée du tunnel, un tir à haute température pourrait le faire fondre. Un tir à haute température. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Hop, hop. Bon. Ah, maintenant que je suis en haut, d'accord, ok. Si je veux retourner là-bas, faut que je monte ici. Ok. Oh, la carte, elle est tellement longue à charger, par contre. C'est l'enfer, hein. Alors, des mecs enfermés. Commencez à attaquer le bio-organisme piégé. L'organisme est décédé, le sujet est empalé sur un pic de glace avant d'être congelé. Très sympa. Vaisseau abattu localisé, frégate de classe Griffin, identifié comme étant le VGETZ. Taisez-vous! Ah mais je fais comment pour les scanner eux, étant donné qu'ils ils vont trop vite là? Mais je vous jure, c'est c'est Outer Wells all over again, quoi. Petite réserve de missiles au-dessus, là. Je sais pas, il va sauter, là, vous croyez? Ça m'étonnerait, hein, vu qu'il y a un truc de grappin. Ouais, voilà. Donc, c'est pas par là qu'il faut que je commence. Ok. Donc c'est de l'autre bord. Je sais pas. Je filoche des bisous. Et bah des bisous Otto, merci d'avoir été là. Profite bien de ton PC. Ton gros PC là. Qu'est-ce que je raconte? Mais je raconte pas grand chose. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Ah mais regardez, il y a une plateforme là. J'avais rien vu. Oh le mec. Oh le mec, il avait rien vu quoi. Quelle honte. Ah, bon. OK.
Ça tourne. Le barbillon nocturne phason forme une attaque puissante en groupe. Une surcharge peut détruire le groupe. Attendez, hop. Voilà. C'est bon. Ah, merci Rabia. Oh, attends. Rabia qui est passé devant le capteur. Et du coup, il y avait plus rien quoi. Ah merde, putain. Et piou piou. Il te dit que t'as un MP. Oh là là, mais ça régale aujourd'hui, dis donc. Comment ça? Ouais, ça a déjà été scanné ça ou pas? Non. Morphologie globe flotteur gel consomme et émet des vapeurs de carbugel explose quand ils seront. Merde. Ah mais barrez-vous les piou-piou là. Voilà, merci. Je peux plus y aller maintenant. Les restatures bloquent maintenant la plateforme, possible de les détruire avec des armes. Comme par hasard. Ouf. Hop, le système va rester en veille. Ah, il est trop loin lui. Ok. Trop loin, merde. Orbe de métal bloque le passage. Utilisez le grappin pour déplacer l'objet et libérer le tunnel. Y'a quoi là derrière? Du caisson derrière. Ok. Hein? Attendez, faut que je le mette où? Good genius, comment tu vas? Je sais plus ce que je fais. Ouais, j'ai l'impression que c'est la suite ça.
Zevi, il fait des petits sauts comme ça, c'est trop mignon. Sauteur. Attaque avec ses griffes aiguisées. Bondit sur les ennemis de loin. C'est trop rigolo. T'as quoi comme jeu? Vite, Silent. Jeux de plateforme, les puzzles, les jeux de rythme. C'est aujourd'hui, hein. C'est aujourd'hui ou jamais. Attendez. Ah non, peut-être pas. Ah oui, donc oui, c'est ça. Oui, faut, si tu veux rentrer dans le canal de Suez, là. Il faut que... Ah ouais. Réserve d'énergie. Le cas du panneau semble fragilisé par le temps. Il pourrait être arraché en tirant avec force. Avec qui? Avec force. Données brioniennes traduites. L'âge d'or transféré vers la banque de données. Ok, on a juste récupéré du lore, quoi. Insecte cocon attaque en lançant les épines de Phazon, son corps mou et vulnérable. Effectivement. Oh là là, il y a des trucs à scanner là. Le lien en Phazon est invulnérable aux armes, seuls les bulbes sont vulnérables aux Phazon. Coucou Genius, c'est Christophe que j'ai pas eu passer. J'ai zappé, Johanna, désolé, je bosse pour le 24h. Non, mais y'a pas de soucis. Boing, les sauteurs. Genre, t'as fait un clip de ça. Une anomalie dans la glace qui entoure le bioorganisme à présence de Phazon confirmée. Saram. Ah. Oh, j'avais pas vu ça. Ça contient du carbugel et pourrait exploser si son contenu était perturbé. Comment ça? D'accord. Ce qui me permet d'aller plus... Aller plus haut. Ok. C'est quoi là-bas? C'est quoi là-bas? Une réserve de missiles. Hop. Ils sont trop choupis, mais si tu préfères, je vais juste les clipper au moment où tu fais les turages, ça n'arrive jamais. Tony m'a dit que vous aviez des MP. Ah, je pense qu'elles ont, elles ont des MP, effectivement. Quoi? Mais qu'est-ce qui me touche? Allô? Oh, d'accord. Je l'ai pas vu, petit enfoiré là. Ok, ça c'est juste un passage. Passage nul, ok. Regardez ça! Regardez ça comment ils ont l'air joyeux. Ils ont l'air contents de vivre. Et nous, on les éclate. Ta-da-ta-ta.
J'ai quand même l'impression qu'il faut que je descende là. Johanna qui fait des folies. Peux-tu juste éviter le N à la fin de mon prénom? Ah, Blackie, d'accord, ok, j'ai cru que tu me parlais à moi. Je comprenais pas. Bah, mais alors. Alors, si tu demandes à Blackie d'écrire sans faire de faute ou de mettre des lettres. Enfin, voilà, sans mettre des lettres collées au truc d'avant parce que c'est une lettre d'après, tout ça, ça va être compliqué, hein. C'est aussi compliqué que de me demander à moi de lire correctement vos messages. J'ai un chat entre moi et le clavier. T'as toujours des excuses. Alors qu'à chaque fois, tu mets pas les césures au bon endroit. Vu que ça fait deux fois d'affilée, je me permets de signaler, désolé. Ah ouais? En plus? Ah non, toi, je t'ai abandonné depuis longtemps. Alors, golem de guerre de classe Mojna, désactivé, impossible de l'activer avec les équipements actuels. C'est-à-dire que je vais pouvoir l'activer avec d'autres équipements. Le cas du panneau semble fragilisé par le temps et devrait pouvoir être arraché en tirant avec force. Alors, ah c'est pour remonter ça, d'accord. Ah, je viens de me taper tout ça en fait pour rien finalement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces bestioles chelous là? Chasseur Repticulus, la cible peut générer un bouclier furtif autour de son corps. Ça va faire chier. Hein. Merde. Allez, pan. Ah non, mais pan, vas-y. Merci les gars. Structure de pierre à tracter dans le mur a été désactivée. Accès au hall autorisé. Ok. Ah, il y a un truc là en bas. Hein. Ah bah il y a un truc là, regardez. Il se cache. Hein? Ah oui d'accord. Ah non pas du tout en fait. Domaine ici, mais après on fait quoi? Ah d'accord, ok. I've got it bro. J'espère que ça vous plaira, je suis allé voir la page, je pense que oui. De quoi? De quoi? Qu'est-ce qui vous plaira? Hein? Comment? Pourquoi? Ah. Il y a a priori un ennemi quelque part.
que je ne vois pas. Ah, là, il y a des ennemis. Alors ici, c'est quoi? Très élevé d'Aliash Torrey dans cette section de la falaise. Ouais. Merci. Attendez. Merde. Ok, est-ce que ça va marcher? Non. Non, ça marchera pas. Il faudra autre chose. Le panneau d'armement couvre une partie de la statue qui pourrait être arrachée avec suffisamment de force. Aïe, je me suis pris le truc en pleine tête quoi. Ah d'accord. C'est quand qu'on l'a le grappin là? Ah! Ah! Le rayon grappin. Voilà. C'est quand que Scarlett Johansson vient chez moi en fait? Ça marche pas, hein. Ça marche plus. Putain, ça a marché pour un seul truc. Toc toc, t'as Scarlett Who. Pensez que Scarlett Who, ça y est, elle est derrière la porte. Ça fait longtemps, je peux les scanner, ça y est. Extermier un point d'attache pour le rayon grappin, merci beaucoup. Et là normalement je peux rentrer. Bah non. Mais ça me remet là où j'étais au début en fait. C'est complètement con. Je le chope le machin là. Peut-être ici ou faut que je fasse le triple saut là? Non, peut-être pas. Merde. Merde. Non, faut arriver de par en haut. Hein. Ouais, c'est Keblo. Hein. Ah. Faut arriver de par là, a priori. Mais là, je suis Keblo. Ah non, il y a une porte, mais... Ah non, mais je suis allé dedans, je suis con. Attendez, mais ouais, là, y'a pas un truc là? Non. Bon, ça s'aurait pu, mais non. Ok. Là, c'est le truc où il tombe. Faut se faire choper par la plante là. Korba collabore avec les attrapeurs pour se nourrir vulnérable aux explosions. Attrapeur collabore avec le Korba pour se nourrir vulnérable aux explosions. Il y a un truc hein.
Ok. Voilà comment fallait faire. Tout simplement. Ok. Qu'est-ce que c'est? Pas qu'en pierre sans mettre un serment préalable. Selon un code précis. Oh! Oh la console qui rame! Quoi? Ah non, d'accord. Ok, bon. Ça va, le Simon était quand même assez simple, faut avouer. J'en ai fait des plus compliqués. Hein. L'ère de la science transférée vers la banque de données. J'ai fait des Simons plus compliqués que ça quand même. Assez simple, tu t'es trompé une fois, mais non, mais j'avais pas regardé la première fois. J'avais pas regardé la première fois. Ah, qu'est-ce que c'est ici donc? Ah, c'est une porte sensible au froid, ça non? Voilà, la glace. Yeah. Ok, ça marche. On avance. Oh, la carte m'est tellement longue à charger. C'est quoi ça? T'es qui toi? Ridiculus, t'es pas sur la courte distance, très agressif et territorial. Et il va être très mort dans 2 secondes lui hein. C'est tout. Ah, il se téléporte vraiment, hein! Ah, mais il se téléporte dans mon dos en plus! Petit con! Marion nocturne, Shannon, hein, tout contact est dangereux, ok. Donc maintenant faut que j'aille où? Là-bas à gauche, c'était. Faut un rayon. Ouais, fallait un truc. Qui désintègre, qui fasse du chaud, là, je sais plus quoi. Chose que je n'ai pas encore. Ici, c'est le rayon du froid-froid.
Et donc maintenant je peux traverser. Nice. Attendez, hop. Je sais pas trop où ça m'emmène là. Protection, vulnérable, l'aime les plus puissantes. Ah. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Donc ouais, effectivement, faut que je passe par l'autre côté. Voilà. C'est que dalle. Comment on fait pour aller au-dessus là? On verra en revenant. Ah, c'est sûrement par là d'ailleurs. Quoi? Système de sécurité activé, les attaches sont en place, des explosifs pour les endommager. Panneau de protection est maintenu en place par les attaches de sécurité, et ça c'est quoi? T'as mis un chargé large de charges explosives, oui. Merci. Ça c'est fermé, analyse indique que peut être ouvert que de l'intérieur. Non, ça c'est autre chose. En raison d'une panne de courant, établissez le courant pour déverrouiller la porte. D'accord, ok. Le soldat est brisé. Ah oui, d'accord, ok. Alors, l'unité est une tige d'un circuit d'alimentation connecté toutes les tiges pour établir le courant. Ah, ok. Salut Neruda, comment tu vas ? J'ai rétabli le courant. Trop fort. Tous les circuits d'alimentation sont connectés. Système locaux sous tension. J'offre un jeu nul à Tony. Fait Metroid Prime 4 en avant-première ici, c'est ça, mais maintenant tu sais, maintenant que je suis un streamer connu, eh bien Nintendo m'a dit tiens, v'là une clé. J'aurais dit quand même, vous pouvez pas. Allez. Les gens vont être jaloux. Mais non, mais ils m'ont donné une clé. Tellement si j'accepte de le faire en live, ouais non non. J'ai tellement de bons jeux à faire. Nanananana. Par contre Nintendo m'a offert Metroid Dread sur PC. Ah ouais. Ah ouais. Trop bien. La chance. Je peux aller partout maintenant. La piste ardente.
Mais je vais juste continuer là déjà. Ouais, doit alimenter le bouclier de la graine. Si les cibles sont détruites, le bouclier sera désactivé. Télécharger les coordonnées, les signatures. Puis sur un. Bah oui, mais tu viens de me le montrer, c'était où? On vient de le voir. Oh là là, comme par hasard, c'est aux deux endroits. Voilà, le premier endroit. Et puis, ah, dis donc, c'est là où on a accès maintenant. Alors ça, je suis interloqué. J'ai commencé Metroid Dread, il est bien. Ouais, il a l'air. Hein. J'ai commencé à regarder, moi, les tarifs. Les tarifs en occasion sur le bon coin. Hein. Et tout le monde les met à 30 balles. J'ai très envie de le voir faire une fin de stream ou un début de stream sur un jeu nul pour le coup. T'as terminé Framed en off ou pas? Je l'ai pas encore lancé. Mais je le ferai en live. Hein. Je le ferai en live. Y a pas de raison que je le fasse en off. Il a l'air vraiment cool, donc si ça peut le faire, moi je le connaissais pas, donc si ça peut le faire découvrir aux gens, ça pourrait plutôt chouette quoi. Le carbugel est sensible aux chaleurs extrêmes et gèle s'il est exposé au froid. Okay. Un genou, il en a fait genre celui qui donnait envie de vomir. Comment ça, celui qui a donné envie de vomir? J'ai fait beaucoup de jeux qui donnaient envie de vomir. Donc faudrait être plus précis quand même. Je peux pas y aller là. Ah non, là je peux pas y aller encore. Quel dommage. Le FPS chelou. Deadcore. Ah, faudrait que je le termine, tiens d'ailleurs, Deadcore, en parlant de ça. En parlant de ça, il faudrait que je le termine. C'est bien vu. C'est très sympa de me l'avoir remis en tête, du coup. Ah. Ah, vous avez vu, c'est mon pote. Ah, il y a une porte là-bas, non? Putain, l'autre il me tombe sur la tronche, quoi. Y'a quoi comme si le jeu qui font pas vomir que t'aimes du coup? Trou de mémoire, il aime les jeux style FPS puzzle, le Tony Hub. Ah, j'ai fait Portal 12 fois, ouais, déjà, donc. Ça peut donner un indice. Ah! C'est que ces vieux machins moches là. Le sauteur crasher crache du venin sur sa proie. Ils sont mignons mais ils me crachent au visage. Ah mais attendez, regardez.
Voilà, je les ai bien défoncés. Attendez, attendez. Je crois qu'il y en a un que j'ai pas scanné. Ça c'est scanné. Voilà, ça c'est pas scanné ça. Je voulais retourner à mon vaisseau, c'est ça hein. Donc là je suis en train de faire demi-tour là, comme un con. Peut-être un MP sur Discord, oh là là, t'es ouf. Quoi comme style de jeu qui font pas vomir que t'aimes du... Attends. Ah, toi égal le Mariti, ok. Hop. Sauvegarded. On va s'arrêter là. Et ben voilà, impec. Hop. Parfait. Et ben des bisous YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à mettre que les vignettes sont vraiment merveilleuses. Ça me fera extrêmement plaisir.